Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors voici, voici la petite vidéo non prévue. Là, je ne l'ai pas du tout préparée parce que bon, ben, vous savez que toujours on est dans l'emménagement de la fille. Hein. Donc ça y est, elle a son duplex. Mon mari a été lui acheter un canapé, une table, pour quelques bricoles. Voilà. Bon, j'ai été le voir. Il est très joli. Pour un premier petit appartement, un appartement d'étudiante, surtout, c'est super. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai fait quand même avant de vous faire dans la prochaine vidéo. Alors, j'ai une vidéo d'épée à vous faire, parce que ça fait déjà un petit moment quand même qu'on n'a pas fait de diamond painting ensemble. Et je voulais vous faire aussi, attendez, je regarde sur mon petit calendrier. Je voulais faire avec vous. Ah oui, comment ça fonctionne la pâte à structure. Je ferai ça avec vous. Vous inquiétez pas, je le ferai dès que ça sera un peu à jour. Là, je vais laisser un peu mon album parce qu'il fait tellement chaud. On a eu de l'orage hier soir avec de la grêle, je ne dis pas. Aujourd'hui, il y a du vent, mais bon, il fait bon, hein, il fait très très bon. Mais tout ça, ça change tout. Vous savez, quand on est dans un camping, la fille avait sa toile de tente inondée, donc il a fallu tout faire sécher. Voilà. Les aléas du camping, quoi. Hein, nous, on connaît bien mais mon mari, mais la fille n'aime pas trop, on va dire. Voilà. Donc, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Alors, ceci, c'est un petit embellissement. Voilà, que j'ai... Alors, je sais pas. Je l'ai vu sur quelque chose, sur quelqu'un. Mais je sais plus sur qui. Je crois que c'était chez une youtubeuse anglaise ou américaine. Si vous voulez que je vous montre comment j'ai fait, vous me le dites et je vous montrerai. Parce que c'est très très simple hein, à faire. Voilà, derrière c'est comme ça. Alors là, vous pouvez coller un papier ici et marquer un petit mot. Vous voyez, c'est vous faites carrément un embellissement pour un album. Hein. J'ai trouvé ça génial, donc voilà, j'ai fait. Ensuite, il y avait le petit tag. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais montré ou pas. Donc, j'ai dit, je vais lui remontrer hein, sur le thème des choux. Voilà. Voilà. Parce que je n'avais pas bloqué. Ensuite, alors, c'est simple. Hein, là, c'est de la petite dentelle. Là, c'est du de l'album de chez Action. Là, c'est... comment ça s'appelle ? Ah zut, c'est du papier, vous savez, qui brille là, de chez Action aussi. Oh, qui brille chez Action, voilà. Ensuite, j'ai essayé de faire du serviettage. Mais c'est mon premier. Alors, critiquez pas trop fort, s'il vous plaît. Alors voilà, j'ai trouvé une petite serviette, des serviettes comme ça là. Donc j'ai fait ça. Là-dedans, donc j'ai changé, j'ai fait des petites choses comme ceci. Et puis derrière, j'ai refait du serviettage, j'ai fait ça. Voilà ma petite carte. Voilà. J'essaye. Et pareil, une Memory Dex. Voilà. Alors là, j'ai fait ma petite fenêtre. Oh là, c'est même pas... Vous voyez, la colle, elle est partie. Tellement qu'il fait chaud. Là, j'ai mis mon petit papillon. Là, c'est du... Je l'ai embossé. Et sur l'embossage, vous savez, il y a des petites fenêtres comme ça. Là, j'ai mis...
les restes de ce papier-là, j'en ai mis là. Et après, j'ai fait mes petits trous comme ça. J'ai tout repassé autour avec un feutre à alcool rose. Et j'ai passé tout le papillon. C'était avec un dye papillon, vous savez, j'ai enlevé. J'ai passé tout autour, j'ai passé dessus le feutre à alcool papillon. Voilà. Moi, je l'aime bien celle-là. Ouais, celle-là, je l'aime bien. Là, c'est pareil, je l'ai découpé, mais avec le ciseau, vous savez, les ciseaux crantés des enfants, là, vous savez, eh ben, je fais ça comme ça. Hein. Voilà. Et puis voilà, parce que le reste, c'est dans mon album. Et puis j'ai l'album, il me tarde de rentrer à la maison pour lui parce que le pauvre il est en train de tout s'abîmer avec la chaleur. Et voilà, voilà. Mais bon, voilà. Je voulais vous montrer quelque chose. Attendez, hein, je sors un peu du champ là. Mais c'est parce que je voulais vous montrer une ou deux petites choses que j'ai mis dans l'album justement. Là je l'ai pas fini, voilà, j'ai fait un immense tag comme ça, je l'ai pas tout à fait fini parce que je voulais superposer la même chose par dessus mais en mettant de l'encre marron, mais je n'en ai pas, alors j'attendrai de rester à d'entrer à la maison puis je le ferai. Voilà, là c'est pareil, c'est des tailles, c'est des dailles, hein. Là je voulais mettre quelque chose dessus, ça on verra ça après. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, je sais plus, non c'est pas là, et là il n'y a rien, je n'ai pas fait encore ça non plus. Là j'ai fait une petite carte comme ça. Alors ça c'est pour attraper, ça va dans les petites pochettes, vous savez, je vous montrerai mieux quand il sera fini, hein. Mais voilà, je vous ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai pas fait grand chose de plus, vous savez, là c'est, non, j'ai pas fait grand chose de plus, ici c'est pareil, non, j'ai pas fait ça, non. Je l'ai pas fait. Voilà, donc j'ai avancé. Ici, je suis en train de faire. Là, je vous montre pas mes mains sur la table parce que c'est le vrai bazar. Donc, je préfère pas vous montrer. Alors là, je suis en train de faire une petite carte. Voilà, on l'ouvre comme ceci. Alors, vous voyez, tout est en patchwork. Alors, c'est pareil, si vous voulez, je vous montrerai comment je fais. C'est un peu long, mais c'est génial. Alors, moi, je trouve ça super. On peut y mettre comme on veut. C'est... Alors, là, c'est pareil. Vous voyez, c'est des petites fleurs. Alors, j'ai mis mes tampons d'encre dessus parce que j'avais pas de fleurs jaunes. Donc je l'ai coloré en jaune, c'était la fleur bleue et blanche que j'avais. Et bien, attendez, bougez pas, je vais vous montrer. C'est ici, c'est ces fleurs-là. Voilà, c'est des fleurs comme ceci, vous voyez. Et j'ai mis de l'encre dessus pour que ça fasse jaune, pour rappeler le jaune du patchwork. Vous voyez, donc j'ai fait la petite fleur comme ça. Pareil, là, c'était une fleur blanche. C'est mes grandes fleurs blanches. Voilà, c'est des fleurs comme ça. Alors ça, c'est ma fille qui m'a donné l'idée. C'est Sabrina. Parce qu'elle voulait absolument une fleur verte pour une petite chose que je voulais lui faire. Et je lui dis, j'ai pas de feuilles de fleurs vertes. Et elle me dit, pourquoi tu prends pas de l'encre verte? Et du coup, j'ai eu cette idée pour cette carte. Et là, là, c'est des petites fleurs vertes. Justement, c'est des petites fleurs vertes qui me restaient. Donc, je les ai mises comme ça. Voilà, ça, c'est des petites poupettes que j'avais achetées qui se collent, qui sont en 3D, là, vous savez. Là, c'est la dentelle que j'ai mis là. Là, c'est pareil, c'est la petite chose que j'avais achetée
à Action, vous savez, c'est ça, là, ce truc que j'avais acheté à Action. Là, ben, j'ai mis de l'aquarelle, hein, c'est mon soleil. Alors, on ne se moque pas, hein, c'est mon soleil à moi. Bon. Voilà. Et là, j'étais en train de faire une pochette. Je vais faire une petite pochette comme ça pour mettre, si je le trouve. Vous voyez, c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer. Il y a tellement de bazar sur cette table et elle est tellement petite que, bon, on va en acheter une grande. Que je peux pas. Ah oui, voilà. Pour mettre mon shaker. Voilà. Je vais mettre mon petit shaker dedans, comme ça. Voilà. Ça me fera une jolie petite carte à pour offrir. Voilà. Et là, j'ai ma fille et mon mari qui sont partis ensemble faire deux courses. Donc j'en profite pour vous faire cette vidéo. Et voilà. Bon, ben voilà. Pour vous dire que je pense à vous. Ne vous inquiétez pas. Et bon ben on se voit très très vite. Je vais m'arranger pour faire la vidéo sur la pâte à structure. Et vous inquiétez pas, il va y avoir du DP très très vite. Allez, bisous. Et n'oubliez pas, hein, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral. Bisous. Ah, je voulais vous redire, toutes les filles, merci à toutes de m'avoir soutenue par ce moment très difficile que je viens de passer pour ma fille. Merci beaucoup.